Dieu est bon, il est là ce matin, il est avec nous, il veut encore nous faire du bien. Avant d'aller plus loin, comme nous sommes aux États-Unis, nous disons Happy Thanksgiving. Que Dieu vous bénisse et que ce soit des moments de joie, moments de réjouissance, moments de famille, moments de se restaurer pour la gloire du Seigneur. C'est une période très, très, très importante. Mais avant d'aller plus loin, nous voulons lire la parole de Dieu. Nous lirons dans l'Ancien Testament, au psaume, le psaume 50, au verset 23, et nous lirons aussi dans le Nouveau Testament, dans Luc, chapitre 17, versets 11 à 18. Nous allons commencer par le psaume 50. Si vous avez trouvé, c'est juste un verset que nous allons lire là-bas. Ensuite, nous allons basculer dans le Nouveau Testament. Évangile selon Luc, chapitre 17, versets 11 à 18. Si on a trouvé, nous allons nous lever pour écouter la lecture de la parole de Dieu. Nous lisons au nom de Jésus-Christ, nous lisons dans Louis II. Psaume 50, verset 23. C'est lui qui offre pour sacrifice des actions de grâce, mais glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Amen. Amen. Nous lisons notre deuxième texte. Nous avons dit, c'était dans le livre de Luc, au chapitre 17, du 11e verset jusqu'au 18e. Nous lisons encore au nom de Jésus. Amen. Jésus se rendant à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Et il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris ? Et les 9 autres ? Où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» On s'arrête là. Amen. Hein? Amen. On peut s'asseoir. Comme je le disais au début, j'avais dit que c'est la période de Thanksgiving et notre thème aujourd'hui, c'est le sacrifice de reconnaissance. Sacrifice de reconnaissance. Ça, c'est le thème que nous allons étudier ou exploiter aujourd'hui. Pourquoi célèbre-t-on Thanksgiving? C'est une fête qui tombe chaque quatrième jeudi de novembre où toute l'Amérique fête Thanksgiving en famille ou avec des amis. Et très souvent, le menu est connu, c'est-à-dire ce qu'on va manger, c'est connu. Ce jour-là,
c'est le jour de la dinde et de purée de pommes de terre. Et bien sûr, il y a des desserts. Mais comment cela avait-il commencé? C'était au XVIIe siècle. Il y avait une centaine de pèlerins qui avaient quitté l'Angleterre et ils avaient débarqué à Plymouth. Et là-bas, ils ont rencontré la rigueur de l'hiver américain. Je vous dis que dernièrement, j'étais à Paris et j'avais l'impression de blaguer parce qu'ici, nous sommes habitués au froid et de l'autre côté, le froid était modéré. Alors, et qui ont quitté là où le froid est modéré, quand ils sont venus ici, ils ont vraiment rencontré un grand froid. Un froid, un hiver très, très, très rude. Bien sûr, ils avaient amené des provisions. Mais vous savez, à l'époque, les voyages duraient longtemps. Ils ont eu le temps d'épuiser leurs provisions. Et la rigueur de l'hiver et la faim a fait que, en fait, plutôt que beaucoup d'entre eux, si pas la moitié, avaient perdu la vie. Alors, la vie était très compliquée pour eux. Et ils étaient venus en hiver. Et au printemps, ils ont cultivé. Mais quand ils ont cultivé, ils n'ont pas trouvé, ils n'ont pas récolté, ils n'ont pas... le travail qu'ils ont fait n'a pas produit des résultats escomptés. C'est-à-dire, c'était un fiasco total parce que rien n'avait poussé. Rien n'avait poussé. Heureusement que les autochtones, les Indiens d'Amérique, c'est que les Blancs appellent Indiens d'Amérique et ce sont les natifs d'ici. Heureusement, ils étaient gentils, ils avaient approché ces gens-là et ils leur ont montré de nouvelles techniques de culture, comment cultiver les maïs. Et la récolte avait été abondante. Puisque la récolte a été abondante, alors l'idée était venue de remercier le Seigneur. Et c'était le gouverneur de cette colonie-là qui avait décidé qu'on proclame un jour de remerciement et d'action de grâce au cours de laquelle ces gens-là, c'est-à-dire les pèlerins qui sont venus d'ailleurs, venus s'installer, et les autochtones, qu'on appelle les Indiens, ils s'étaient mis ensemble, ils ont partagé un repas. Alors, plus tard, le Congrès des États-Unis va proposer qu'on instaure une journée d'action de grâce dans tout le pays. Pourquoi? Parce que chacun fêtait à sa façon. Celui-ci fête peut-être les 10, l'autre là dirait que moi je vais fêter les 20, etc. Alors le Congrès va proposer qu'on puisse fédérer, qu'on puisse choisir un jour unique pour tout le monde. Et le premier président des États-Unis, lui, il avait suggéré la date du 26 novembre, comme aujourd'hui, il avait suggéré cette date-là. Mais ce sera plus tard, en 1863, que le jour de Thanksgiving sera instauré comme une fête nationale, une journée chômée et payée aux États-Unis. Et c'était l'œuvre du président Abraham Lincoln, celui qui a institué cette fête. Donc, comme vous l'avez compris, les Indiens, les nouveaux venus voulaient être reconnaissants parce qu'ils étaient venus une centaine, mais une partie parmi eux qui avait péri à cause de l'hiver et à cause de la famine. Et puisque Dieu leur a conservé la vie, puisque les récoltes ont bien donné, c'était une occasion d'être reconnaissant parce que la plupart parmi eux étaient des chrétiens puritains comme on dit. Si nous lisons le même passage en anglais, nous n'allons pas
exploiter tous les versets, mais nous allons simplement prendre la première partie du verset. Et quand nous lisons ces versets en anglais, on nous dit ceci: Those who sacrifice thank offering honor me. Ceux qui sacrifient un sacrifice de ceux qui sacrifient de la louange sont en train de m'honorer. Nous n'allons pas prendre la deuxième partie du verset, mais nous allons simplement nous baser sur la première partie. Et quand nous lisons dans Darby, Darby nous dit ceci: celui qui sacrifie la louange me glorifie. C'est comme tout à l'heure, pendant que nous étions en train de louer ici, nous étions en train d'honorer Dieu. On pouvait donner de l'argent, on pouvait donner quelque chose, mais le fait que vous étiez en train de chanter, le fait que vous étiez en train de battre les mains, le fait que vous étiez en train d'exalter ce Dieu-là, vous étiez en train de l'honorer. Et c'était une bonne chose. Nous devons savoir ceci, bien-aimés, que tout ce que nous voyons et tout ce que nous ne voyons pas appartient à Dieu. Dans le premier texte, c'est-à-dire le psaume 50, verset 23, où nous avons appris que celui qui apporte comme sacrifice, c'est-à-dire dans l'Ancien Temps, s'il faut revenir dans l'Ancien Testament, il y avait un autel où chacun devait amener son sacrifice et le déposer là-bas. Mais Dieu ici, qui comprend la situation de tout le monde, qui comprend que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens pour lui offrir quelque chose, Dieu a réduit l'équation. Dieu a simplifié les choses. Il dit qu'on peut lui offrir simplement de la reconnaissance. C'est-à-dire qu'il faut être reconnaissant à Dieu. Il faut être quelqu'un qui raisonne, quelqu'un qui sait d'où il vient et où il va. Si nous regardons les pèlerins qui étaient venus pour fonder l'Amérique, pour fonder les États-Unis, le Canada, tel que nous les connaissons actuellement, ces pèlerins-là n'avaient rien. Ils sont arrivés avec leurs provisions. Les provisions étaient épuisées. Ils s'étaient dit, on va cultiver. Mais vous allez cultiver comment? Là où vous venez, c'est différent. Ici, c'est une autre terre. Et c'était un fiasco. Mais quand les Indiens les ont aidés et ils ont fait une récolte abondante, ils ont remercié Dieu qui avait permis qu'ils se déplacent de là où ils venaient jusque sur le continent américain. Mais ils ont aussi remercié leurs voisins aussi. Cela va de soi. Il faut être reconnaissant. Dans le deuxième texte que nous avons lu là-bas, c'est une histoire que nous connaissons. D'ailleurs, dans le premier texte, c'est Dieu qui convoque toute la terre. Il convoque les cieux, il convoque la terre, et il veut entrer en jugement avec eux. Il leur dit que tout ce que vous voyez et tout ce que vous ne voyez pas m'appartient. Est-ce que vous pensez que si moi j'ai faim, je viendrai vous dire, oh non frère, moi Dieu j'ai faim. Oh non sœur, moi Dieu j'ai besoin d'argent. Non, Dieu ne le fera pas. Il dit que si j'avais faim, puisque les animaux de la forêt m'appartiennent, je vais me servir sans passer par vous. Je ne viendrai pas vous demander quelque chose. Je ne viendrai pas vous demander quoi que ce soit. Parce que tout ce que vous voyez et tout ce que vous ne voyez pas m'appartient. Ce sont les possessions de Dieu. Alors, Dieu, comme je le disais tantôt, il va simplifier l'équation. Il va dire que il suffit simplement d'être reconnaissant. Donc, pendant les sacrifices, peut-être que les gens s'attendre à ce que vous ameniez une vache, vous ameniez un agneau pour déposer à l'autel, pour sacrifier. Dieu dit, amenez simplement votre louange, amenez simplement votre merci, amenez tout simplement votre reconnaissance. Soyez reconnaissant de ce que Dieu a fait. Et pour cela, pour illustrer cela, bien sûr,
Nous avons aussi au verset 14 où la même idée est revenue qu'il faut offrir simplement de la reconnaissance. Alors, quand nous allons nous plonger dans les textes de Luc que nous venons de lire, il s'agit de quoi? Il s'agit de 10 lépreux. À cette époque-là, si vous étiez un lépreux, vous devez vivre à l'écart de la société. Vous devez vivre en dehors du village. Vous n'avez même pas le temps d'aller à l'église. Vous ne pourrez pas aller à l'église parce que vous devez rester à l'écart. Même si vous avez envie d'aller regarder, d'aller rendre visite à votre famille, vous ne pourrez pas aller parce que vous êtes impur et c'était une maladie contagieuse. On ne pouvait pas vous permettre de vous déplacer facilement. Et qu'est-ce qu'on leur demandait? C'était très humiliant cette maladie-là. Donc quand vous vous approchez de quelqu'un, vous dites, vous criez vous-même, vous dites « impur, impur ». Donc les gens doivent savoir que, oh, il y a un homme impur qui souffre de cette maladie de la peau, une maladie horrible sur la peau là-bas. Alors les gens devaient s'écarter et vous ne deviez même pas vous approcher d'eux ou vous approcher du village. Et ces gens-là ont eu de la chance. Pourquoi? Parce que Jésus doit se rendre à Jérusalem et il est passé par leur village. Il entre dans leur village et les lépreux ont dit, en tout cas, on ne va pas rater cette opportunité. Ils ont saisi l'opportunité. C'est comme ça qu'ils ont crié de loin à Jésus-Christ parce qu'ils ne pouvaient pas s'approcher de lui. Ils ne pouvaient pas être trop proche de lui, ils ont simplement crié « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Donc ils ont reconnu que c'était Jésus et c'est à lui qu'ils sont partis. Lisez très bien l'histoire, vous allez remarquer quelque chose d'insolite. Jésus ne prie pas pour eux. Jésus ne les guérit pas. Mais Jésus leur dit simplement « Allez vous montrer au prêtre. » Pourquoi? Parce que Lévitique 13 et 14 demandait à ce que celui qui a la lèpre et qui s'est soigné, qui pense qu'il est guéri, celui qui peut préciser, celui qui peut dire, celui qui peut proclamer la guérison, c'était le prêtre. Donc c'est celui-là chez qui il fallait aller. C'est comme avec nous. Vous pouvez tomber malade. On vous a soigné, vous avez fini. Il y a un moment où nous disons, non, je vais aller à l'hôpital pour le contrôle. C'est un peu ça. Alors le contrôle ici, celui qui l'exerçait, c'était le prêtre. Vous arrivez chez le prêtre va vous examiner. Il va vous regarder, est-ce que la lèpre est réellement partie ou elle est encore là? Si la lèpre est réellement partie, alors le prêtre va proclamer que vous êtes guéri. Jésus-Christ demande à ces 10 lépreux d'aller se montrer au prêtre. Il n'a pas prié pour eux, il n'a rien fait pour eux, il a tout simplement dit « Allez au prêtre ». Nous voyons ici les 10 lépreux. Bien-aimés, quand quelqu'un est dans la souffrance, il est prêt à faire n'importe quoi. Nous voyons ici comment se manifeste la foi de ces 10 lépreux. On n'a pas prié pour eux. Donc Jésus leur dit simplement « Allez vous montrer au prêtre ». Mais la maladie est encore là. Je ne vois encore rien. Comment je vais aller chez le prêtre? Le prêtre risquerait de dire que la maladie est encore là. Et quand ils ont obéi, ils ont commencé à aller chez le prêtre pour aller se montrer au prêtre. C'est à ce moment-là que l'un d'eux va constater que, tiens, mais je suis guéri. La peau est devenue saine, comme la peau d'un bébé. Je suis guéri. Donc, au lieu d'aller chez le prêtre pour me montrer là-bas, pour que le prêtre puisse déclarer que j'étais guéri, j'étais sauvé, que je pouvais réintégrer la communauté. Non, moi je dois faire d'abord marche arrière. Le prêtre est là, le prêtre peut attendre, mais je dois vite rentrer chez Jésus-Christ. Jésus-Christ n'était pas venu pour demeurer avec eux. Il était de passage, il se rendait à Jérusalem. Et peut-être que c'était pour ne plus revenir dans leur village. Ce n'est pas tous les jours que Jésus-Christ passait par là. Et nous savons ce qu'il attendait à Jérusalem.
Mais ici, cet homme-là s'est dit, non, 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 non. Il va s'échapper. Il faut que je rentre. Comme je suis guéri comme ça, je rentre. Les autres aussi ont constaté qu'ils étaient guéris. Mais ils étaient pressés. Pour eux, ils étaient pressés. Ils voulaient que les prêtres déclarent, vous êtes guéris. Ah, peut-être on verra, est-ce qu'il faut, rentrer chez Jésus. Est-ce que Jésus allait rester là-bas avec eux? Non. Alors, ils vont vite rentrer en famille. Mais ce Samaritain-là, cet étranger-là, qui n'était pas un juif, il a vite fait marche arrière. Il est rentré, il est parti voir Jésus-Christ. Il rendait gloire à Dieu. C'est ce que nous avons dit ici avec les pèlerins, les gens qui ont fondé ce pays. Ils ont rendu gloire à Dieu. Ils ont dit merci à Dieu. Ils ont choisi un jour spécial pour dire merci à Dieu. Et celui-ci, quand il a vu ça, il rendait gloire à Dieu d'après Luc au chapitre 17, verset 15. Il rendait gloire à Dieu à haute voix. Il ne rendait pas gloire à Dieu dans son cœur, mais à haute voix. Et quand il a vu Jésus-Christ, il est tombé visage contre terre. C'est une position d'adoration. Il est tombé. Il sait ce que Jésus-Christ a fait pour lui. Parce qu'il était à l'écart de la société. Il était rejeté. Il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait rien entreprendre. Mais Jésus-Christ, par hasard entre guillemets, est passé dans leur village. C'était une occasion à ne pas rater. Comme ce matin, Jésus-Christ est au milieu de nous. Ce n'est pas une occasion à rater. Allez à Jésus-Christ avec vos fardeaux. Allez à Jésus-Christ avec vos problèmes. Et ne manquez surtout pas de le remercier. Remerciez-le parce qu'il a commencé avec nous l'année jusqu'à aujourd'hui. Combien ne sont-ils pas morts tout autour de nous? Nous avons la grâce d'habiter ce pays où coule le lait et le miel. Les autres dans d'autres pays pour trouver ne fût-ce qu'un verre de lait. C'est compliqué. Mais moi ici, je peux acheter 3 litres de lait à 2$ à peu près seulement. Le pays où coule le lait et le miel. Vous êtes ici, c'est une grâce, c'est une occasion pour vous de dire à haute voix, de remercier ce Dieu-là qui vous a fait cette grâce-là. D'autres sont malades, d'autres ont souffert de petites maladies, de rien du tout. Mais toi avec ta maladie, une grande maladie, mais tu n'es pas mort. C'est une occasion pour toi de dire merci à ce Dieu-là, de le remercier, de l'exalter, de le louer à haute voix comme ce Samaritain. Il a reconnu que nul n'était cet homme-là. Je serai encore lépreux. Et en tant que lépreux, je serai encore à l'écart. Est-ce qu'ils avaient une maison pour dormir à l'écart là-bas? On ne sait pas. Comment dormait-il? Comment mangeait-il? Peut-être que quelqu'un venait, dépose quelque chose, il s'éloigne, comme on avait fait avec le Ebola. On n'approchait personne. Comme c'était le cas avec le COVID-19, on n'approchait personne. On évitait les contacts. C'est comme ça la vie du lépreux. C'était une vie très difficile. Mais maintenant qu'il est guéri, maintenant qu'il peut marcher comme tout le monde, maintenant que la honte est partie, parce qu'avant la lèpre, c'était honteux. Jésus-Christ vous a fait de grandes choses. Jésus-Christ vous a fait de bonnes choses. Il a enlevé votre honte. Il a enlevé votre propre. Là où ça demande un grand diplôme. Là où ça demande un grand nom. Mais Jésus-Christ vous a introduit dans ce cercle-là. Jésus-Christ vous a amené jusque-là. Jésus-Christ vous a installé là-bas. Vous a établi là-bas. Il ne demande rien d'autre. Il n'a pas besoin de ton argent. Parce qu'il a dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Il n'a pas besoin de ta chèvre. Il n'a pas besoin de ta vache. Il n'a pas besoin de quoi que ce soit d'autre. Il dit, il a besoin simplement d'un merci. Pourquoi un merci seulement? Parce que le merci, c'est à la disposition de tout le monde. Oh non, moi je suis pauvre, je ne vois pas ce que je vais donner à Dieu. Dieu dit, donne-moi simplement un merci. Ouvre la bouche et dis merci. Il ne demande rien d'autre. Un enfant peut dire merci. Un adulte peut dire merci,
Un jeune peut dire merci, un vieillard peut dire merci, un homme peut dire merci, une femme peut dire merci. Il n'y a pas de magasin où on vend le merci. C'est à la portée de tout le monde. Dieu veut que vous puissiez être reconnaissants. Dieu veut que nous puissions être reconnaissants. Quand nous sommes reconnaissants, ça dispose celui qui vous a fait du bien, ça le dispose à vous aider encore. Mais quand je vous donne quelque chose, quand je vous envoie 100 dollars, vous avez besoin peut-être de 500, mais moi je vous ai envoyé 100 dollars, vous dites, oh, moi j'avais besoin de 500, lui m'envoie seulement 100. Et il y a des gens comme ça, ils oublient même de dire merci. Et le lendemain, quand il aura encore un problème, il va revenir. Pensez-vous que je serai encore disposé à l'aider? Je ne serai pas disposé. Donc, dire merci dispose. Dire merci va pousser votre bienfaiteur à vous faire encore du bien. Et nous voyons ici, il y a quelque chose que ce lépreux ici, ce samaritain ici nous enseigne. Il a été guéri, c'était sa première bénédiction. Il voulait avoir une plus grande bénédiction. Il est rentré auprès du Seigneur. Il est rentré auprès de son bienfaiteur. Il est rentré auprès de Jésus-Christ. Il a commencé à l'adorer. Donc l'adoration dispose Dieu à vous faire du bien. La louange dispose Dieu à vous faire encore du bien. Dieu veut cela. Dieu aime cela. Il dit, comme nous l'avons dit ici, au verset 14, il dit, celui qui offre de... il dit au verset 14, offre pour sacrifice à Dieu. Nous sommes au psaume 50 jours. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Offre, c'est à l'impératif. C'est un commandement qu'il nous donne. Nous devons lui offrir chaque fois. Nous ne devons pas simplement attendre Thanksgiving pour lui dire merci. Non, nous devons chaque fois le lui offrir. C'est un commandement qu'il nous donne. Et il clôture ce psaume-là par dire, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce, mais glorifie. Donc, les gens sont en train de venir devant l'autel pour déposer leur sacrifice, pour dire merci à Dieu. Je me rappelle quand nous étions au Congo, il y avait à cette époque, non, vers décembre, il y avait une période, et dans ma communauté, on appelait cela Matono, c'est-à-dire merci. C'était une occasion pour les gens de dire merci pour les bienfaits de Dieu le long de toute l'année. De dire merci à Dieu parce que les récoltes ont été abondantes. Si vous êtes à l'église, vous verrez les agriculteurs amener des arachides, amener des maïs, amener des produits de champ. Et ceux qui travaillent dans les bureaux vont amener de l'argent pour dire merci à ces dieux-là. C'est la même idée qui est ici. Dire merci. Ça dispose. Et quand nous continuons avec ce Samaritain, nous verrons qu'il a récolté une double bénédiction. La première bénédiction, c'est la guérison. Mais la deuxième guérison, la deuxième bénédiction, ta foi t'a sauvé. Les autres là étaient guéris. Les autres ex-lépreux étaient guéris. Mais ils n'étaient pas sauvés. Mais ce Samaritain qui est rentré vers l'expéditeur, qui est rentré vers la source de sa bénédiction, la source de son bien-être, il a augmenté. Ta foi t'a sauvé. Donc, quand nous allons dire merci à Dieu maintenant, quand nous allons dire merci à Dieu n'importe où, nous devons savoir que nous récoltons une double bénédiction. La première bénédiction, c'est celle pour laquelle nous sommes en train de dire merci à Dieu. Mais la deuxième bénédiction, c'est comme l'autre ici, on lui a ajouté un plus. Il a récolté une bénédiction spirituelle. Ta foi t'a sauvé. Il est sauvé. Les autres sont guéris. Je ne sais pas si vous comprenez la différence entre être guéri et être sauvé. Mais lui, il est sauvé. Et c'est mieux. C'est une grande bénédiction pour
cette personne pour ce Samaritain. Je crois que ce matin, chacun d'entre nous va chercher à avoir une plus grande bénédiction. Comme l'avait fait ce Samaritain. Les autres sont partis. Ils ont eu la même bénédiction que lui. Mais lui, il voulait ajouter un plus. Il est sauvé. Est-ce que ce matin, vous ne pouvez pas revoir votre année, votre vie, comment l'année s'est passée, pour dire merci à Dieu pour les bienfaits dont vous avez été l'objet. Vous allez certainement trouver beaucoup de raisons de lui dire merci pour lui montrer votre reconnaissance. Qu'est-ce que Dieu a fait? Ne regardez pas simplement les grandes choses qu'il a faites, qu'il a accomplies dans votre vie. Il a accompli aussi des petites choses qui peuvent vous passer inaperçues. Dites-lui tout simplement merci. Et quand vous allez lui dire merci, n'oubliez pas de lui dire à haute voix comme ce Samaritain l'avait fait. Vous pouvez vous agenouiller comme le Samaritain l'avait fait. Vous pouvez vous lever. Vous pouvez lever les bras au ciel pour glorifier Dieu, pour l'exalter, pour le magnifier. Et vous n'allez pas le regretter. Comme ce Samaritain, vous serez doublement béni parce que les autres ont été guéris, mais le Samaritain, il est guéri et sauvé. Il y a un plus quand vous rentrez chez le Créateur. Vous pouvez rentrer chez une personne pour vous aider. La personne va vous aider et vous dites merci, ça les dispose à vous aider encore. Mais quand vous dites merci à Dieu, non seulement ça dispose Dieu à vous aider encore, mais Dieu ne manque pas de vous ajouter une double bénédiction. Nous allons donc incliner notre tête pour remercier ce Dieu-là, pour l'exalter, pour lui dire merci, pour lui montrer la reconnaissance que nous sommes reconnaissants, nous sommes vraiment contents de ce qu'il a fait dans nos vies, de ce qu'il a fait dans nos familles, dans nos entreprises, dans nos études, dans tous les aspects de notre vie. Alors, disons merci à ce Dieu-là. Prions au nom de Jésus.